Salut tout le monde, aujourd'hui dans ces petits trajets, on se dirige vers le circuit Linas. C'est ça, Montlhéry. Montlhéry, pour le rassemblement, le Japan Car. Donc là on est parti sur un bon petit convoi. On est dans la Sky de Hugo. Salut. Hugo, soi-disant le stagiaire, mais à chaque fois il a des voitures mieux que nous. Donc là on a un petit convoi Racer & Drifter juste derrière nous, avec Raph qui a une petite Accord Type S, c'est ça? Type S. Et en face on retrouve notre petit cam. Donc on a quelques heures de rose devant nous. On va faire un petit carbox sympa. Allez, c'est parti. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi les moteurs atmosphériques ils font énormément de bordel quand tu vides les lignes et tout. Par contre, les turbo-essence. Là, on rejoint la petite team Akagi. Voilà. Là, il y a de la belle auto. Okay. Le petit convoi sympa, on se retrouve dans la Sky. Il y en a qui l'ont déjà vu sur Instagram, monstrueuse. Elle est quand même fat. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'aimes bien? Ah, j'adore. Ah bah, tu m'étonnes. T'aimes pas, tu la laisses à la maison. Hein. J'allais dire petit diffuseur, mais je crois que c'est pas vraiment le terme. Là, comme d'habitude, toujours la petite prélude de notre cam. Ah là là, toujours aussi belle, avec tous les petits détails en or, pour rappeler le logo Brose Garage en or, et la société de calme. Si vous avez besoin de rap, les gars, n'hésitez pas à le contacter. La boîte, elle est ouverte à Saint-Brévin. Après, on a bien évidemment Racer & Drifter avec sa 370Z. Un beau petit bijou aussi. Donc là, elle a été floquée il y a deux jours par Cam. Elle est vraiment, vraiment sympa. Il s'est bien amusé. Hein. Il a fait les contours de pare-choc et tout. C'est les supports en alu, là. Les gros supports de pare-choc, ils sont monstrueux. On a bien rigolé sur la route parce que l'alarme s'est mise en route avec les jantes de R35. Voilà, voilà. Celle-là, j'aime particulièrement bien, parce qu'elle fait très discret, une bonne voiture en daily, avec l'intérieur cuir et tout. Voilà, voilà, la grosse bête. Elle a été préparée pour quoi déjà de base, tu m'avais expliqué? Ouais, c'était une chocard, au Japon. Ouais, au Japon, et puis après, on peut aller derrière en Europe, sur les rassos. Le décollement, ça résiste quand même un petit peu. Où elle était, et puis elle a servi principalement que faire du show. Après, bon, quand tu vois la première fois... Ouais, bah ouais, c'est clair. Comme on a vu la taille des jantes, comment dire... Quand on a vu le petit de jus qui s'est assis dedans, j'ai fait d'accord. Ouais, au pire. Et c'est les grandes. C'est les grandes cadettes. Donc autant dire que ouais, t'as de la marge quand même. 265-35. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo, je sais pas si ça va bien rendre. Oh, putain, la couleur elle est chaude. Alors là, on a une bonne team. On a un peu de route devant nous parce qu'on va direction Paris, dans les alentours de Paris. Donc ça devient sympa. Allez, c'est parti. Ça, c'est bon.
petit réveil qui picote un petit peu quand même. Là, on en profite pour faire le plein des bagnoles. Est-ce que ça suce les autos, hein? Chiii. Qu'est-ce qu'elle est belle, la petite Accord, là-bas. Oh, ça en fait tout un bordel. Hein. Et encore, il n'y a pas la team Akagi. Qu'est-ce que t'as encore à râler, toi? Ils sont bien, leur station essence qui ne marche pas. Petite antenne pour étendre ses slips. Il est moins cher que chez nous. À combien? Il est à 1,50. Ah, je peux vous dire, il a de l'équipement, oui. Donc la petite histoire, on a perdu un petit bout de lame sur l'autoroute. Donc elle prenait le vent, elle ballottait, puis bah, à un moment, ça fait crac. On n'avait plus rien. Et monsieur a failli se la prendre. Ah, ça aurait été un peu moins drôle pour le coup. Elle dit coucou, l'auto. Ça a toujours fait délirer, ça. Bon, bah la petite arrivée, hein. Mon gars. Ah là là. Je sens qu'on va avoir des caisses sympas, même. Ah, là, t'es trop mal. Je sens que ça va être ouais, assez fou. Oh là 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 là. Oh. Oh la tuerie. Oh ouais. Oh, là, là, là. Voilà voilà. On peut le voir, le circuit il grimpe quand même. Là c'est le circuit là. Là ce qu'on voit là c'est le circuit. Ça peut être drôle de monter jusque là-haut. Bonjour. Salut. Salut. On est au stand avec lui. Ah bah alors écoutez, suivez-le parce que j'ai pas pu lui dire où il allait. Alors. Ah d'accord, on va tous être dans la merde. Merci. C'est des belles voitures mais démerdez-vous. Bon, fraîchement installé, on vient de mettre la tonnelle et tout, on a mis un sacré bordel. Salut tout le monde, bon on se retrouve du coup au Japan Car, on vient juste d'arriver, on a fait toute l'installation du stand Racer & Drifter, donc là il y a quand même pas mal de pièces. Pour ceux qui sont présents au Japan Car, vous verrez bien, il a énormément de pièces. Donc là on peut voir, il a beaucoup de pièces esthétiques, donc vrai carbone. Donc c'est un fournisseur maintenant de pièces, de lignes d'échappement Sportex pour les Honda. Donc là on peut voir le petit silencieux Sportex et les Decata. Pareil en Sportex pour MX-5. Donc là il y a tous les produits d'entretien, intérieur, extérieur, tout ce que tu veux. On peut voir qu'il a ouais, de la pièce assez sympathique. Après si je peux finir premier. Ah puis là on est bien entouré quand même. Petit S2000 des familles, petit Subaru, Sky 200SX. Ça clôture un bon petit fin de week-end, un bon fin de samedi du moins. C'est bien marré, il n'y a pas eu de casse. C'était sport quand même. Hein.
Ouais, un peu, ouais. Bah, le réveil, surtout un peu, ouais, crevant. S2000 des familles. On sera pas encore frappé. 15%. Sa gueule. Ah, échappement libre. Ah d'accord, ok. C'est un choix. Admirer ce magnifique intérieur. Ah, ils se sentent obligés. Bon, bah, retour du Japan Car. On a bien profité de ce petit rassemblement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, ne manquez pas de vous abonner à la page 1067 ou Bros Garage pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez suivre également le projet de ma petite Civic, n'hésitez pas à aller sur Instagram Replica Fast and Furious. Pour voir le pro. Ah. Ah bah elle est plus là. Petit secret. À la prochaine.